continue. Bonjour à toutes et à tous, Pokémon Rouge sur Regarde dans le Rétro, et c'est toujours Jake, et du coup on en était par là. Bon, j'en ai profité pour XP très peu mes Pokémon. Oh tiens, ok, et voilà, et du coup on a l'antidote, on a un... attendez, je sais plus, parce que moi je cherche les objets qu'il y a aussi dans la forêt de Jade. Et il y en a un troisième. On a eu la Pokéball la dernière fois. Dans tous les cas, on est obligé d'aller là. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'absence? J'ai capturé un Piafabec. Malheureusement. J'aurais préféré largement un Rookool. Ils sont où les Pokémon? Ah! Dernier objet. Et ouais, j'aurais préféré largement un Rookool. Allez, si tu veux, bats-toi. Un Aspico. Niveau 9. Moi j'ai un confort niveau 6, que si tu veux que je fasse. Bref, je l'ai mis en premier. C'était surtout pour qu'il y ait un peu d'XP. En attendant, bah, j'y vais avec Carapuce. Heureusement que j'ai un antidote. Mais pareil, hors combat, comme la dernière fois. Écume. Aïe. L'objectif de cette vidéo, donc, le temps que le combat se finisse, voilà, c'est donc finir le Fréja de ce qui est le cas en ce moment. Ok. Ah putain, merde, le Carapuce. Ouais. Bon, je répète, Chenipan, je suis déçu. Dernier combat quand même au cas où. Dernier combat. Un dernier combat. Oui, non. Ok, alors bon, pas de... Je sais pas, je là vraiment... Yen et Colomb Pampa. J'aurais pensé l'OS, mais bon, tant pis. Allez, on se casse. Allez, on s'en va de cette forêt de Jade. Vous quittez la forêt de Jade, vous allez vers Argenta. Rien d'intéressant par là. Ah, peut-être un Rookool. Un Rookool. Arrête, attends. C'est passionnant. Ouais, que tombe bien, il y a le centre Pokémon à côté. Je pense que j'aurais quand même du XP un peu plus sur d'autres Pokémon, parce que seul Carapuce niveau 13 contre les Pokémon de pierre tout à l'heure. Je sais pas s'il va le faire, parce que oui, on va tenter l'arène tout à l'heure. Un beau confort niveau 7 qui a cœur mur. Un dernier combat vite fait ici. Si, ça veut bien. Non. Oh oui! Niveau 4, c'est pas grave. Je veux pas l'OS. Je veux pas l'OS. Bon. Ne l'OS pas, s'il te plaît. Ok.
on change de Pokémon. Nidoran. C'est juste pour baisser sa vie en fait. Ce qu'il m'a mis. Bon, ça va aller. Objet Pokéball. Ah, j'ai plus que 5 Pokéballs. C'est pas bon ça. Charoukoul, yes. Bon, maintenant, il va falloir que je t'XP. Ça, c'est notre affaire. Non. Pas de surnom. Allez, on se casse. Vers là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes de beau, toi? Viens là. Ok. Alors, j'ai plus les plans de toutes les villes en tête. Oh, tiens. Ce qu'il nous fallait, c'est parfait. Et je vais inaugurer donc les beaux boîtes du centre Pokémon. Espèce de point d'interrogation qui s'appelle Léo, on le verra plus tard. Stocké. Raspico, il me sert pas grand chose. Retirer. Oh cool. Est-ce que j'en suis au niveau du timing? C'est bon, on est large, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir de particulier sur cette ville? Je ne sais plus. Non. Je crois qu'en fait, il y a la manette. Il n'y a que Pierre à défier là. Faire un tour au magasin quand même. On y va après. Qu'est-ce que tu me proposes? Je prends la Pokéball, ça sert toujours. Histoire que je ne vienne pas pour rien. Ouais. Alors, on va grosso PNJ. Gagner un peu de temps. Parce que je pense qu'il va un petit peu plus vite. Pourquoi il clignote? Pas. Jolie rime. Allez, première arène, c'est parti. Argenta, champion de pierre et vainqueur d'Opel. Alors là, je pourrais très bien faire YOLO. Sauf que non. On va le défier tous les petits PNJ qui y a avant les champions. XP et pour la thune. Topiqueur. Niveau 11. Ah oui, quand même. Carapuce. Ça peut aller. Voilà pourquoi ça peut aller. Rien à redire. Non. Non, j'ai dit non. Putain. Cette manette alors. Efficace. Oui, niveau 14. Après un truc. Ah non, bon, il a pas appris un truc, je suis déçu. On s'en va. Juste avant de battre Pierre, on retourne très rapidement au centre Pokélol, qui est en bas. Putain, tout le tour, ils auraient pu mettre une petite haie. Sérieusement.
ils ont la super pêche. C'est normal, ils ont une tonne d'abricots. Ok, salut, allez, l'épisode est fini sur cette vanne pourrie. C'était nul. Du coup, on va voir Pierre. Et bonjour, je suis Pierre, je suis champion d'Argenta, je crois en la grande résistance de la pierre, c'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre, et tu veux toujours te battre avec moi, très bien, en garde. Deux têtes, il a un Raikou et un Onix. Oh la tronche, je me souviens de... Il est pas torse nu dans l'anime. Tu fais peur. Carapuce. Je le laisse attaquer en premier vu que je change de Pokémon. Sérieux? Ce qu'il a pris. Oui, cocon fermant au niveau 8. Je fais la même. Il est où? Il est là. Faut pas qu'il me reste. Surtout pas. Voilà. Maintenant je te rappelle Carapuce. C'est juste pour que Roukou le prenne l'XP en fait. Alors, ce bruit est chiant dans mes oreilles. J'en reviens pas. Ah non, faut que je passe avant patience. Ah, vite, vite, vite. Mais parce que patience, de tête, il attend deux attaques en fait, et après il te renvoie tous les dégâts dans la tête. Ça fait très très mal. Roukou le monte. Putain, Roukou il a pris trois niveaux d'un coup, sérieux. J'ai un patch. Oui, j'ai le battu de roche. Blablabla, bla, bla, flash, blablabla, blablabla. Bla, bla. Oh, tout pognon! Hein? Il me donne quoi? 34, c'est quoi ça? Capsule de technique. Mais ça, je sais, mais la 34, c'est laquelle déjà? Passe. Ouais, bah écoute, hein. Mais blablabla, 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 blablabla. Ah, bah, direction Azuria. Mais Azuria, le problème, c'est que c'est l'arène d'eau et un Carapuce eau contre des Pokémon eau, sincèrement. Ça fait pas bon, mais... Enfin, ça pas bon. Si. C'est juste que... Ouais, c'est chiant, en fait. Kezako. Ah oui, c'est le musée. Non, on s'en fout. Il va nous parler de Ptera, de... De plein de choses comme ça, mais non, c'est pas... ça m'intéresse pas. Oui, je vais te plaindre, c'est mon fric. Potion, je vais en prendre... Parce qu'on va enchaîner sur pas mal de dresseurs. Et pas beaucoup de captures, je pense. Ouais, 4 potions. Ouais. Oh, la corde. Oh, il y a 2 Pokéballs. La corde sortie coûte trop cher, par contre. J'espère que ça va nous détruire. On passe au Mont Salinite avant ou après? On va celui-là avant. Il y a pas mal de dresseurs. Non, il y a d'abord les dresseurs. Et je crois qu'il y a un centre Pokémon avant le Mont Sélénite. Et le Mont Sélénite, c'est l'horreur. Je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Mais on s'en fout. Ouais. Dans le Mont Sélénite, on va capturer un Raikou, un Nosferapti, je pense. Moi. On va stocker un objet. On va stocker la 734 qui ne me sert à rien. Et on va changer l'ordre des Pokémon très rapidement. Roukou du coup qui passe en tête, Coconfort qui passe en deuxième, Carapuce, oui, Ratata. Et... Je vais mettre Ratata et Piafabec en stock dans les boîtes, je pense. Je vais les garder pour le moment, le temps de battre les dresseurs, et après une fois qu'on arrivera à l'autre centre Pokémon, on les mettra dans les boîtes. Pour avoir d'autres Pokémon. C'est parti. Alors je ne sais plus combien de Pokémon. De dresseurs au total. Ok, donc c'est deux pas. Tu veux ma photo? On va tous les faire, hein, clairement.
Roucool. Putain, il est niveau 9 sans Roucool quand même. Carapuce. Ouais. Mais en fait, là, le Mont Saint-Denis, je viens d'y penser, mais on va pouvoir le rush assez facilement vu qu'il y a Carapuce. Je sais pas ce qu'il vaut contre Nosferapti, par contre, il y a pas mal de Nosferapti dans le Mont Saint-Denis. Et là, l'objectif, donc, c'est de finir ces dresseurs qui vont me faire chier plutôt qu'autre chose. Pour prendre de l'XP, des sous, et après, en fonction du temps, on rentrera dans le Mont Sélénite. Cool, c'est tout ce que j'ai à dire, tant mieux. Est-ce que je change ou pas? Oui, j'ai appelé Coup Confort pour qu'il prenne XP. Et qu'il apprenne quelque chose, parce que Coup Confort a que armure, sérieux quoi, c'est... Et on re-rappelle Carapuce. Et on va tester le pistolet à... Oh, putain, Carapuce niveau 15, sérieux. Ok. Sérieux. Niveau 10, Chenipan quand même. Le coup contre Chenipan, ça devrait le faire. Ah oui, quand même. La 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 la. On n'a rien vu. Je trouve que ce Chenipan est légèrement abusé. J'ai pris des potions, je sais plus. Ouais, je pense que oui. Aspico. Oui, bah après c'est toujours l'histoire d'XP de toute façon, donc ouais, je pourrais XP un peu le Nidoran, mais... Non, coup confort. Un coup confort avec armure, c'est... Non, là, je reprends Carapuce. Alors, je sais, je suis chiant sur ça, mais... C'est ce que je préfère au niveau XP. Ça va beaucoup plus rapide. Ça va beaucoup plus rapide. C'est très français. C'est beaucoup plus rapide. Bon, t'as fini toi ou... Tu vas prendre un pistolet dans la tête hein? Ça va vite régler. Les poisons, tu vas voir. Même pas. Chenipan, est-ce que je change de Pokémon? Oui. Je rappelle qu'au confort. Si tu veux. Et je reviens avec Carapuce. Par contre, j'espère que ça va le faire. Ça le fait? Presque. Alors là, faut que je tienne. On va faire un tour au centre Pokémon après ce combat. Ouais, direct. Allez. Attendez, il est où? Il est là. Il y a un chemin vers le bas, là-bas. Je sais plus ce que c'est. On va jeter un œil après. La la la. Depuis quand la fermière, elle a une robe noire? C'est choquant. Il
Là, il est là, le chemin vers le bas. C'est l'arrivée, ça? Ah, c'est ça. D'accord. Comment perdre du temps? Ah, par contre, mon sélénite, on va en chier. Ouais, l'objectif du mont sélénite, nous faire un petit racaillou. Mais le fait, pourquoi pas. J'attends les shorts. Viens te battre. Je sais pas si... Non. Une charge, ça passe. Ça passe. Non. Ah bon, non, non. Ah non, pas ça. Ah, je suis pas fan. Ça, c'est l'attaque qui... Qui me pose problème à chaque fois ça. Tu m'as taillé un short. Allez, on les fait tous. On les fait tous. Bon, c'est bizarre que Roku n'ait pas charge. C'est moi qui ai pas de chance sur mes Pokémon, mais parce que Roku charge, qui n'a pas charge, qui n'a que tournant, un Espico qui n'a que armure. Je sais pas. On va voir en fonction du niveau. Bon, ça peut le faire. S'il fait que deux armures à la limite. Oh, ça va. Si, si, c'est bon, ça va. Je m'étais un peu plus inquiété que ça. Passionnant. Allez, apprends une attaque. Non, 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 je reste sur sur Roku. Il y en a encore un autre, je crois. Putain, mais c'est pas vrai. Crise acier. L'autre, il a des crises acier que pas moi. Alors, il y a ces deux-là, mais il y a lui là aussi en bas. Est-ce que je peux... Ouais, c'est mieux, ça me plaît. J'étais obligé de descendre comme ça. T'as pas de short, t'es nul. Et toi, t'as quoi, mon gros? Un seul, bon. Aïe, 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 par contre... Ouh, niveau 14 de pied Fabek. Carapuce, direct.
J'aime pas les piquants. Ouh, ça fait mal. Ce serait bien que je le batte rapidement. Ok, d'accord. Bon, voilà, suffit de demander, hein. Ah, j'y attaque, c'est bien ça. Par contre, il n'y a toujours pas charge. Ça aussi, c'est bien. Déjà ? Bienvenue à Karabaf. Je vais pas me plaindre. Santé de mes Pokémon. Est-ce que je vais quand même tenter un autre dresseur avant de partir au centre Pokémon. Je t'ai battu toi. Ok. Et toi? Ok, ils ont tous les mêmes astuces. Toi du coup. Combien de Pokémon, mademoiselle? 2. Wow. Ratata. Je sais pas. Je sais pas. Parce que les charges du Ratata en général. Tornade. Ouais, je change. Coconfort pour l'XP. Et. Oh putain, niveau 10. Et Karabaf en suivant là, direct. Alors pourquoi est-ce que je garde les autres Pokémon pas level en dessous? C'est juste au cas où si je me retrouve dans la merde, je me dis. S'il reste 3 points de vie à un Pokémon, ils peuvent quand même le faire. Ça me fait pas de défaite. Alors, je sais que c'est très utopique, mais en général, ça marche avec moi, donc bon. Bon, Karabaf, du coup, quand il veut pas prendre un truc parce que c'est. Je tente. S'il en a 4, c'est très tendu. S'il en a 2, ça peut le faire. S'il en a 15, c'est encore mieux. 2. Chenipan, très bien. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas qu'il m'attaque de suite. Et il va m'attaquer de suite. Une potion. Et, il y aurait eu plus qu'un seul point de vie à Rukul. Ça aurait été trop tendu. Bon, on va rester sur Roku, je pense que ça peut le faire. Bon, de toute manière, il va faire des armures, donc bon. Armure! Et attention. Armure! Une petite dernière pour la route. Armure! Encore une mort. C'est pas passé. Il en a fallu une de plus. Alors là, il y a de l'herbe. Là, il y a. Et il y a le seul Pokémon à côté. Donc, du coup, je t'évite 2 secondes. C'est si loin que ça. Sérieux? Non! Est-ce qu'il y a un objet par là? Ah par contre ça c'est... j'ai fait une bêtise. Parce que... non, pas pied fabec. Oh, niveau 6. À la limite. Voilà. 49 XP gratuite. Et on va au centre Pokémon qui est là-haut. Bonjour demoiselle.
Pokémon. Et on va défier après le dresseur qui nous manquait. Merci, c'est gentil. Déjà je la retrouve. Ah voilà. Bonjour. Combien de Pokémon? Un seul. Bon. Aïe, un rondoudou. Ah, je sais pas si c'est une bonne chose par contre. Parce que si Manda. Donc en effet, Suro cool, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça, c'est un peu plus chiant. La pute, pardon. Bon, ça va. Niveau 14. Les Pokémon qu'il y a là, c'est quoi? Du Piafabeg, des Roucoules, des Ratata. Un ferro-singe. Oui, parce que je cherche toujours mon ferro-singe. Niveau 5. Bon, ça peut le faire. Voilà. Jamais vu autant de Piafabeg, c'est impressionnant. On va repasser une dernière fois, quoique. Non, ils sont clean. Et le temps de la vidéo. 1h25. 1h25 de jeu déjà. Et à peu près 1h de vidéo. Vu que j'ai posé sur du farm. Elle veut nous quoi, la demoiselle? Oh, racailleux. Et nous voici à l'entrée du mont Célébite. Célénite, ouh. Entrée du tunnel. Et. Je ne me souviens plus qu'on pouvait y entrer d'un autre côté. Bref. Je vous propose d'entrer dans le mont Célénite, de faire un ou deux combats. Et de voir un panneau si un panneau. Oui. Bonjour. Oh, c'est le premier combat direct. Ah, oh, c'était pas prévu ça. Ce n'était pas prévu. Je voulais surtout lire en fait. Bon. Un bobo. Mélofé. C'est pratique que Roku soit pas sensible au berceau. Je ne m'en souvenais point. Ok. Donc je vais chercher un truc qui est là-bas. De... Ok. J'ai vu un truc là-haut. Mais... De tête, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des dresseurs là. Non, c'est Rapsi. Toi, t'es à moi, toi. T'aurais pas un choc mental sur toi ou quelque chose comme ça, ne serait-il par hasard. Le plus grand des hasards. Mais ça, on le verra plus tard. D'abord, je te capture. Et moi, j'appuie pas sur B pour capturer mes Pokémon. N'est-ce pas, Yakipon? CT12, c'est quoi ça la CT12? Pistole. Alors ok, non. Je l'ai déjà. Donc elle ira dans les boboîtes. Et là, il y a une bouboule aussi. Une potion. Nickel. On fait ce combat pour se débarrasser de ce coin gauche. De la racaille. Racaille, racaille. Oh là là, la blague. Un scout, qu'est-ce qu'il veut? Aspico.
je garde recul. Que fout un scout avec Aspicou et Co-Confort dans le monde Sélénite quand même? Voilà pour ces combats, on se laisse ici, j'irai régénérer entre temps mes Pokémon au centre Pokémon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode de Pokémon Rouge dans Regard dans le Rétro sur Ivasound Studio. Et n'oubliez pas demain Pokémon Jaune, vendredi Pokémon Vert et lundi prochain Pokémon Bleu. Dans l'ordre Ralgat, Tauren et Yaki, suivez-nous un petit peu partout, les liens dans la description. Voilà, bisous, ciao.